pourquoi vous avez donné, pourquoi vous prenez un café au lait le matin? Pourquoi vous prenez un bistec de temps en temps? Vous prenez cette nourriture, une nourriture spirituelle, une nourriture du cœur. Parce que jouer à la poupée, ça ne m'amusait pas, mais aller jouer des notes au piano, oui. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait commencer très vite à travailler le piano. L'inspiration, c'est d'abord la tendresse qui me manquait chez moi. Et je la trouvais chez Schumann, chez Chopin peut-être, mais Schumann était plus tendre encore. Schumann et Clara, voilà, qui chantaient en duo, par exemple ça, si je joue ça, là, par exemple. Etc. Vous avez les deux parties. Les tiers. Ils chantent à deux. Et c'était leur amour qui chantait ensemble. J'étais dans une famille où j'étais élevée par une de nous, très gentille. Maman était très sévère. C'était comme ça à l'époque. Donc, j'avais besoin de tendresse, si vous voulez. C'est normal. Et au-dessus de chez moi, il y avait plein de petits garçons qui jouaient du piano. Ils jouaient toujours les mêmes morceaux. Bon. Et moi, bébé, je suis arrivée avec un doigt à reproduire les mélodies. Et les rachets, voilà. On va parler politique maintenant. C'est un petit miracle, en fait, parce que moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. On avait fêté ses 100 ans à l'extérieur, sur un bateau, avec beaucoup d'amis. Ça s'est bien passé. Et je ne pensais pas, justement, qu'elle allait continuer sur sa lancée. Et chaque année succède à chaque année. Elle garde une forme physique et mentale tout à fait satisfaisante. Et elle continue à travailler et on continue à enregistrer. Donc, effectivement, c'est assez étonnant. Si je ne pouvais plus en jouer, il faudrait que je remplace dans mon imaginaire. Mais j'ai besoin, tactique. Vos doigts ont besoin, vous avez besoin de goûter un bonbon, une, je sais pas. Et mes doigts ont besoin de sentir le clavier, de sentir ça. Ou de sentir ça, quand vous avez ça.